Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Oh yeah! Allez, pour la première fois sur la chaîne du Caribou Canadien, le jeu A Fold Apart. Oh yeah! Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Donc un jeu de puzzle. Lightning Rod Game. Power up audio. Appuyez sur une touche pour commencer. Ok, je vais appuyer celle-ci. Ça marche pas. Marche pas. Oh, cela a fonctionné. Une nouvelle partie, on va regarder les options rapidement. Sensibilité, pillage, gameplay audio. Tout semble correct. On va le découvrir ensemble, c'est quoi ce jeu. Salut chaton. Ah. Ça peut être deux femmes. Je suis pas très sûr. J'ai hâte de voir. Comment vous allez, les gars? Oh! C'est triste. Il y a des puzzles là-dedans, on va voir. S'ennuie. Coucou chérie. J'ai volé jusqu'ici pour te faire une surprise. Partons en exploration. Appuyez sur L, B ou RB pour retourner le papier. Un bon point pour toi. Je pense qu'il peut juste marcher en ligne droite. Oh, ton bâtiment est incroyable! Tu t'en vas tout le temps. Tu vas devoir user de ton gros cerveau d'architecte pour réparer ça. Utilise le stick analogique droite pour plier les bords en surbrillance. Appuie sur A pour confirmer le pliage. Utilise le. Comme ça?
Nice! Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi tu t'en vas? Atteignez l'étoile au dos du papier. Pour continuer, indice, vous pouvez utiliser les gâchettes pour retourner le papier. Et le joystick pour le plier. Que je peux voir l'autre côté, mais... Là, je peux pas plier le papier là. Je le plie là. Ah! Oh! C'est vrai, quand c'est une page de papier et tu le vires, t'es le dos et tombe sur le devant, voyons. Je sais, c'est pas un gros. Pas une grosse découverte que je viens de faire là, mais. J'arrive, ma belle, je vais t'avoir! Oh non, mais qu'est-ce que tu fais? Appuyez B pour déplier. Plie, déplie. Indice plié et déplié pour résoudre ce puzzle. Wow! Salut! Ah, je l'ai eu. Cette ville est vraiment magnifique. Touk! Bye, ma belle. Mais t'es où, mon cœur? Hé hey chérie, tu es là? Je pensais à toi. Hé hey chérie, tu es là. Moi, je pensais à toi. Oh, quelque chose vibre dans son derrière. Hé chérie, tu es là? Je pensais à toi. Ah. Coucou. Oh, c'est mignon. Je prends le chemin des écoliers pour rentrer. Timing parfait. Je viens de finir de lire... Oh. Ouais. Timing parfait. Je viens de finir de lire dans le parc. Je rentre à la maison. Oh, c'est mignon. Je prends le... Je fais... Viens-en. La chambre! Le parc est tellement charmant à cette période de l'année! Oui, j'imagine que l'air pur de la campagne te manque, Snob, de la ville. Hé hé. Comment ça se passe avec ta nouvelle classe? Bien, pour le moment, les élèves ont l'air... Plutôt bien pour le moment. Bien pour le moment, les élèves ont l'air de m'apprécier, j'espère être à la hauteur. Plutôt bien pour le moment, un seul élève s'est collé les mains. Je considère ça comme une victoire.
Un élève bien collant. Bon, faut que je me remette au travail. Je voulais juste t'envoyer un petit message pour te dire que je t'aime. Encore au travail, mais il doit être presque minuit là-bas. Je t'aime aussi, j'espère que tu te surmènes pas. Je vais faire attention, c'est juste que je réfléchis mieux quand il n'y a personne. Pour être honnête, je me suis un peu assoupi, j'ai fait un rêve étrange. Ah oui? J'en faisais partie? J'en faisais partie? En effet, t'étais là. On était en ville et tu me guidais comme si tu étais Virgile et moi Dante. Ah, espèce de nerd. Donc, tu me suivais juste partout, comme un petit chiot. Je suis bien plus adorable qu'un chiot. Ça se discute. Bref. Je t'ai suivi jusqu'à mon bâtiment et il était splendide en vrai. Nous étions ensemble en ville et tout était parfait. Nous étions en ville et tout était parfait. Ouch. Elle ne veut pas aller rester en ville. Tout était parfait. T'attends à ce que je quitte tout et à habiter là-bas? Vous pouvez maintenant maintenir par en haut à tout moment pour voir les commandes. Tu sais à quel point je te plais ici, je suis proche de tous mes amis et de ma famille. Ah, je comprends. Et voilà. Je veux pas vivre en ville. J'aime être entouré de verdure. Je disais que le plan c'était que tu reviennes habiter ici une fois ton contrat terminé. Je l'avais là. Je me place plus là. Tu disais que le plan était que tu reviennes ici un jour. Moi aussi, j'aime mon travail. Travailler d'arrache-pied pour avoir un poste à temps plein ici. Je veux pas être obligé d'abandonner mes rêves.
Personne qui te force, ma belle. Si tu fais déjà des allusions à ce genre de bout de seulement quelques semaines, qu'est-ce que ça sera dans un an? Et voilà. Yes. Mais elle a accroché. Tout est parfait parce qu'elle était avec lui, mais pas parce qu'il était en ville. Tu sais. Elle a accroché sur le mauvais terme. Tu voulais sûrement juste dire que tout se passait bien quand nous sommes ensemble. C'est bon, j'ai dit non, mais passé. Que je ressens aussi, mais tu aurais pu être... Tu aurais peut-être pu les formuler autrement. Le problème des téléphones. L'interprétation. Ça a marché. Ils peuvent parler via un message sacrant. Si seulement on pouvait se blottir l'un contre l'autre et discuter comme avant. C'est justement ça que je disais. Tout semble toujours parfait quand on est ensemble. C'est un rêve agréable, j'aimerais que tu sois ici avec moi. Tout semble toujours parfait quand on est bien vrai. Tu me manques énormément. Tu me manques aussi.
Parfois, j'ai peur qu'on n'arrive pas à surmonter ça. Je peux pas t'envoyer ça. Je peux pas admettre avoir tous ces doutes après seulement quelques semaines. Je pensais vraiment être plus fort que ça. Plus forte. Mais j'ai mal tellement tu me manques. Ah! Je suis plus trop sûr que je m'en allais là. J'étais encouragé à partir. Donc ça serait pas juste de te dire de finalement je me pose des questions. Non, ce serait pas juste de dire finalement que je me pose des questions. Ce boulot est une opportunité en tenant pour toi. Plus mêlé que ça.
Bon. Fallait que je faisais un avant l'autre. Et voilà. Si vous aimez des, si vous êtes des fans de jeux de puzzle, là. Combien d'architectes de ton âge ont la chance de concevoir l'un des bâtiments les plus importants de la ville? Pourquoi j'arrive pas à voir? C'est passé. Ça marche pas par là. Par là non plus. Thank you.
Yes. Bon! Faut que se rappeler comment c'était fait aussi. Un peu de temps, on l'a eu. Avez-vous déjà vu un jeu dans ce style, vous? Il ne faut pas que tu culpabilises d'avoir accepté ce boulot. C'est vrai, t'as pas le doigt. Surtout pas après 3 semaines. Au fond, je sais que c'est mieux comme ça et qu'on peut survivre maintenant séparés. Bon, je suis rendu de l'autre côté. Le caribou est trop fort. Je pense pas que ça serait si dur. Tu l'as fait toute ta vie tout seul. Je déteste ne pas pouvoir te voir et te serrer dans mes bras tous les jours. C'est certain.
Parfois j'ai peur. Non, non, efface ça. Je viens de passer à côté de notre art préféré. Ça me manque de ne plus m'asseoir ici avec toi. Donc, quand même, ça me manque. Ah, c'est lui, l'arbre avec une espèce de cœur dedans. Ah, moi aussi, il faudra se rattraper ça quand je viendrai te voir. Plus que 2 mois. Plus que 2 mois. T'as 46 jours pour être exact, mais qui continue de compter? Bon, je dois vraiment finir de travailler pour pouvoir enfin rentrer à la maison et bien dormir. Bonne nuit, je t'aime. Oui, il te faut ton sommeil, réparateur. Je t'aime aussi, bisous. Je t'aime aussi, chérie, fais de beaux rêves. C'est l'heure de manger, ta tâche est de me divertir pendant ma pause. Quel honneur. Oh, j'aurais bien besoin d'une pause aussi. Travail dur ou tu fais semblant? Comme si tu avais besoin de demander. Mange quoi? Salade d'épinards, cranberry et graines de tournesol, c'est trop bon. Enchaînement, c'est bien. C'est peut-être pas le bon numéro. Ne t'inquiète pas, j'essaie de mieux manger ces derniers temps. Pardon, tu as raison. Je suis fier de toi. Comme je suis fier de Al Capone. Bon, avec 2 carrés de chocolat, mais c'est du chocolat noir, donc c'est meilleur pour la santé. Je me disais aussi. Comment se passe la journée? Eh bien, je fais un cours sur le cycle de vie des papillons et les enfants adorent. Oh, c'est passionnant. Oh, intéressant. Des choses de prévues pour ce soir? Pas vraiment, je vais rentrer à la maison et regarder la télé seule comme d'habitude. Ouch! Salut Fairy Québec, comment ça va? Je ne sais même pas quoi répondre. Je voulais juste te parler parce que tu me manquais, maintenant je culpabilise. Appuyez sur X pour attraper un bloc et A pour l'escalader.
On rajoute des tâches supplémentaires. J'avais pas réalisé que tu te sentais seul. Ça fait mal la pesée des mots quand tu l'interprètes pas bien. Sur ta puzzle, consiste à plier le haut ou le bas du papier. Tu as toujours été plus social que moi. Depuis le début, je ne voulais pas vraiment que j'accepte ce travail. Est-ce que j'aurais dû rester avec toi et ne pas accepter le contrat? Je me sens seul aussi, surtout la nuit. Je préfère rester tard au bureau plutôt que rentrer à mon appartement vide. Ah, c'est lui, je fais tomber. C'est bien ça. Je t'aime et j'aime aussi beaucoup ce travail. Pour moi, t'as quelqu'un qui t'aime. Je vais avoir une belle carrière, mais ça n'en vaudra pas la peine si je te perds. Ça a pas marché? Ça marche pas. Mon erreur, c'est que je dois amener le bloc plus près de moi aussi.
Bon, c'est pas si dur quand c'est bien fait. Et voilà. Je ne voulais sûrement pas me faire culpabiliser. Me faire filer coupable. Il manque aussi. What? Non! Oui! Je devrais sans doute te le dire plus souvent. On doit toujours dire qu'est-ce qu'on pense quand c'est positif. Et jamais supposer que l'autre le savent. Vraiment, je vais rentrer à... C'est ta façon de dire que tu veux un chiot? J'aimerais être là pour toi, regarder la télé avec toi et te serrer dans mes bras, chérie. Oh, t'es adorable. Peut-être que je devrais prendre un chien. C'est beaucoup de travail. C'est vrai, j'aime juste y penser. Quand dans l'ascenseur, je perds de la communication, ma chérie. Ma chérie. J'en avais un, ce serait le plus doux qui puisse exister, et je l'appellerais Princesse Patte de Chiot. On se promènerait partout et on irait au parc et lire, enfin j'irais... Le lirais, elle serait à côté toute mignonne. On serait meilleurs amis pour toujours. Princesse Patte de Chiot, c'est comme ça que moi je l'appellerais. Et pourquoi pas Maggie? Princesse Maggie... Patte de chiot, j'adore. C'est parce que... Bon, d'accord. Youhou! Nous avons maintenant une femme heureuse! Il est rendu ce chantier de construction. Donc, sur une échelle de total à carrément, à quel point es-tu excité à l'idée de venir à la maison ce week-end?
Je choisis inconditionnellement incité. Sans condition. Finalement, je veux changer ma réponse. Je choisis absolument excité. Trop tard, tu es inconditionnellement à moi maintenant. Aïe. Bon, je peux bien te céder ça. Qu'est-ce que tu veux faire en rentrant à la maison? Dormir sans aucun doute, dormir. Esprit mal tourné. Sérieusement, je ne refuserai pas une bonne nuit de sommeil. Bon, tu ferais mieux de prendre soin de toi. Je veux pas que tu tombes malade avant de rentrer. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que t'as encore, mon petit coco, là? Qu'est-ce qui te rend triste? Pourquoi t'es triste comme ça, là? Je veux évidemment pas tomber malade. Donc c'était tout pour le jeu The Fall Apart sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah!